À l'époque, la peur principale que j'ai, moi, c'est de plus pouvoir donner de plaisir. Bon, faut savoir qu'au début, j'avais une sonde à demeure en plus. C'est une sonde pour faire pipi. Avant, on a des petits moments câlins, d'intimité, de sexualité, mais sans pénétration. Par contre, voilà, moi, j'attends vraiment de plus avoir cette sonde. Et à ce moment-là, effectivement, là, on peut avoir notre réelle première fois. C'est un week-end où on est tranquille, on est posé. Il n'y a pas de stress du centre de rééducation. Est-ce que quelqu'un va rentrer, taper à la porte? Non, voilà, on est chez nous, posé. Puis on sent tous les deux qu'on en a envie. Petit à petit, voilà, c'est des phases de préliminaires qui commencent. Il y a un côté où il faut appréhender une nouvelle façon d'avoir cette relation. Je peux aider ma compagne à se déshabiller, mais moi, faut m'aider à me déshabiller. Et ensuite, tout le reste, bah, c'est pareil, tu te laisses faire. Donc voilà, c'est une découverte. C'est une première fois, et comme une première fois, c'est pas toujours une réussite. Mais on se dit qu'on a essayé, c'est la première fois, et que du coup, bon, on réessayera à d'autres moments.